إكسبور سيريال اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء لقاءها السنوي الخاص بتقديم عرضها الجديد المتعلق بالحبوب بحضور فاعلين من خبراء وتقنيين وتجار دوليين وغيرهم، باعتبار فرنسا الرابعة عالميا في تصدير طحين القمح. Cette rencontre, elle est un moment assez unique pour la filière à la fois française et marocaine, où tous les acteurs de la filière marocaine des céréales se retrouvent, échangent à la fois sur la récolte marocaine, mais aussi beaucoup sur la récolte française en l'occurrence. Quelle est sa quantité disponible, quelle est sa qualité, est-ce que ça va convenir aux acteurs du Maroc en termes de qualité pour fabriquer des produits de qualité justement au Maroc. Donc c'est une façon de présenter la qualité de nos récoltes à notre client qui est le Maroc, sur la base d'un travail d'enquête qui est fait en France, où on prélève des échantillons, on les caractérise pour leur qualité et on essaye donc d'avoir une photo la plus représentative possible de cette qualité pour montrer aux acheteurs l'adaptation de cette offre à leurs besoins. اللقاء لم يقتصر على تعزيز الشراكة مع فاعلين مغاربة فحسب، بل انفتح على آفاق أخرى على اعتبار أن الفيدرالية المغربية للمطاحن استقبلت تقنيين من مطاحن من إفريقيا جنوب الصحراء.